principaux leçons, enfin, un, c'est surtout l'échange en réseau. Ça, c'est une leçon très importante. Deuxième, c'est l'importance du cadre analytique qui permet d'échanger et d'adapter ce cadre au contexte national tunisien. Et le troisième, c'est surtout la concertation et le dialogue entre les acteurs au niveau national. Ce sont les principales leçons que j'ai peut-être que je vois intéressant de souligner dans ce contexte. Les principaux acquis en Tunisie, la première chose, c'est la conception aussi concertée et validée d'une vision de l'Observatoire tunisien des exploitations agricoles dans le cadre du réseau WAO. Ça, c'est un premier acquis principal. Le deuxième, c'est le test aussi de l'approche au niveau terrain pour adapter, mais aussi pour détecter les difficultés, surtout en termes de dialogue entre acteurs. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Alors là, le test est évident et on a fait ce test, l'expérimentation. Et le troisième acquis, c'est la concertation multi-acteurs. C'était très riche pour voir un peu les conflits d'intérêts, les visions, les points de vue. Ça, c'est très important. On ne peut pas bâtir un observatoire sans une plateforme de dialogue. Et un quatrième acquis, c'est surtout le développement de capacités qui est très important parce que c'est un peu complexe quand même comme concept et comme démarche. Et le développement de capacités a été aussi un acquis très important dans le cadre tunisien. Les défis sont importants quand même. La première chose, c'est l'amélioration et l'approfondissement du cadre conceptuel et analytique. Wow, ça, c'est fondamental. Le deuxième, c'est un défi, c'est très complexe. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. C'est un peu l'approche pragmatique, opérationnelle, pour arriver vraiment à opérationnaliser. Mais le troisième...